pas le fait. C'est pas les, en attendant, avant même avec colonel Himmler Ribuch. Colonel, même petite question, ça me demandait avec sénateur Sénatus. Ou pas de guette acheter moniteur là, qui gagne une nomination 9 membres. Comment nous y est? Bon, très bien, je salue avec toute l'équipe là, Johnny, et puis toute ton équipe technique qui permet de voir mon bécaille, mon capcouté, mais on m'a dit bonjour. Ma forme, Dieu merci. Oui, ou pas de guette acheter? Non. Ok. mais comment comprendre? ou pas qu'elle est sortie tout même? Non. Bon, et même quand nous rentrons dans une série de brouillage qui n'est pas nécessaire dans un moment extrêmement difficile, et côté le temps nous est compté, et puis bon, puis le monde cap souffrit. Et cap souffrit de situation à vu qu'on y a, mais qui est angoisse de l'avenir par rapport à une désorganisation de la gouvernance du pays. Côté nous n'avons pas même cap connaître qui ça est capable de prendre comme amélioration demain si je veux. Moi, je crois que c'est un sujet qui nous a préoccupé nous à tous les niveaux. Et au lieu de rentrer le monde qui a fait théâtre, je comprends pas que moi-même personnellement je ne comprends pas. Mais dans le métier, pour ne pas gérer ce qu'on a aimé, ce qu'on a voulu, ou gérer la réalité qui est devant nous. Et moi, je crois que nous engageons dans une dynamique qui est extrêmement délicate. Et la bataille qui vient. Humainement compréhensible, mais l'ordre sur le plan humain strict, ce n'est pas de bagaille qui te le répète, mais c'est des choix que nous faisons qui ont des conséquences. Depuis le 10 mars, nous avons demandé de la CARICOM pour des propositions haïtiennes d'en organiser transition en acceptant le principe que le système monocéphale n'a pas capable de solution. Et puis là, nous arrivons, c'est nous-mêmes qui ne pas parler. C'est nous-mêmes qui voyons des listes individuelles au lieu de nous avoir position collective. Son mari que nous avons parlé depuis près d'une année et demie. Et nous faisons un choix qui est extrêmement compliqué, qui fait nous perdre encore un mois et demi. Je vous dis à nous guettons dans 14, dans 15 avril. Cela veut dire que nous avons perdu plus d'un mois. Nous avons discuté de si pour nous mettre ou pour ne pas mettre, qui ça pour nous choisir. Pendant ce temps, la population attend. Et nous avons eu la difficulté de rentrer là. Dès lors que nous avons installé le collège là, c'est l'État a conseillé de l'autre problème qui a surgi. Parce que nous avons eu besoin de CEO pour le premier ministre, l'autre a besoin de CEO pour le ministre. Et puis, le travail qui est pour faire ça, on n'a pas tellement entendu parler de lui, qui est tout à l'heure pour le travail qui est pour faire ça. Donc, c'est ça qui est préoccupation par moi-même. Et même si nous avons tout problème qui est le mieux, mais tout à l'heure pour nous capables de sortir la population dans le pays. Et de fait, c'est ça, naturellement. Donc, par exemple, bataille qui est là, moi-même, essayé tout à l'heure, a dit, donc, son bataille. Non seulement pour 2 ans qu'a venu, mais pour moi son bataille pour élection, pour prochaine élection qu'a venu, en côté gagné de groupe monde qui eux-mêmes avaient essayé de prendre contrôle appareil l'État, probablement pour dans intérêt groupe ou bien parti qui eux-mêmes appelé à participer dans la prochaine élection. On pas connaître son David. Son gros problème lié. Et ça, dans le monde qui ne comprend pas, le collège présidentiel avec mon Ariel qui était dans la position premier ministre, avec le collège présidentiel, mon Ariel qui contraint à la démission, c'est deux bagages différents. Mais nous abordons des questions en un concept initial. Le concept initial, c'était un collège de 5 mounes. Justement, jeu politique, faire venir arriver à 7 et même à 9 mounes. Maintenant que nous avons parlé tout à l'heure, c'est curieux. Là, par exemple, le sénateur a dit que vous pouvez mettre 2 mounes à disposition au monde qui est dans le collège présidentiel. C'est beaucoup plus important que ça. Et le problème, c'est que nous influence nous
tout corps de sécurité, parce que mon cap est assuré de protection VIP, c'est une spécialité de mien. Et c'est fait pour dire deux corps dans l'appareil sécurité de l'État, le corps de protection des hautes personnalités et le corps de protection des buildings administratifs de l'État. Ces bagages sont pas faits pour taper sortir, non, par exemple, le nez qui n'a soit, le nez qui n'a boy, le nez qui n'a police administrative, et qui cousait tel député, tel sénateur, ça n'a pas fait comme ça dans aucun pays. Oui, non, mais de fait, il y a plusieurs unités en dedans palais, hein, pour ça. Pardon? On dit qu'il y a plusieurs unités en dedans palais, pour ça, il y a. Non, je ne sais pas si pour ça. Un grand palais a même une unité spécialisée dans la protection des VIP. Oui. Et peut-être pour présidence de la République là. Il n'y a pas un corps national de la protection des VIP. Okay. C'est la dernière qui est faite pour diffuser pour protection des bâtiments de l'État. C'est la dernière qui est faite pour utiliser pour la protection des VIP. Quand nous avons la santé organisée, nous même rappelons nous le droit dans la sécurité qui prend en machine avec un député du Grand Sud, et puis qui était le député là. Dans la machine nous même, il part de ce bon bagage volontaire. Donc assez souvent nous abordons des questions essentielles avec légèreté, et ça fait qu'il y a ton problème. Par exemple, vous comptez la installer là. Même joie de un gros problème. Même joie de un gros problème. Mais pas quoi un peu de monde qui réfléchit à solution à problème ça. Et tout le bagaille, monde qui a parlé pour prendre le pouvoir, pour installer pour le bagaille là. Même pas quoi qu'on étude qui fait pour réaction probable. Moi, je vais vous amener. Et comment contrer les stratégiquement ensuite tactiquement. Il n'a pas été à transformer, d'ailleurs, c'est un temps de guerre très manifesté, à transformer pour ouvrir son temps de guerre. Même pas que grand monde qui pense à cela et qui prévoit ce qui s'est ouvert à le faire. Il y en a de tous qui sont sous la police. Mais nous avons deux corps de nous capitaliser. Qui est capable de coordination entre eux? Qui est responsable du concept global sur le plan stratégique? Qui prévoit pour gagner et qui tout fait mise en place solution préventive. Mais pas qu'on est. Donc nous prenons des bagages extrêmement sérieux à la ligne en Haïti. Et nous avons nous créer des installations d'origine tomber sur des bouts de solution. Et sur des bouts de l'autre problème de tomber. Donc moi-même, je suis assez inquiet par rapport. Et j'ai fait des propositions très claires qui étaient allées vers. Ou entité côté où il y a une personnalité à la présidence. Parce que gestion neuf là, sur sa gestion au quotidien, son gros gestionnier, mais également sur les solutions. Parce que bon, plus choc entre Mounio, il y a un peu de bagarre qu'on entendait assez souvent, mon abdi, et pour Mounio quitter l'intérêt personnel pour aller vers l'intérêt Haïti. Comment on est capable de comprendre l'intérêt ou entité morale? Quand on crée, tant qu'il n'y a pas d'instance de l'intérêt individuel. C'est tant que pour le gagner, pour le connecter, pour discipliner l'intérêt individuel là, c'est ça qui a mené vers l'intérêt collectif là, pour qu'apprenne qu'il y ait intérêt personnel dans l'intérêt collectif global là. Mais nous fonctionnons en groupe de bêtes sauvages, où nous n'avons que nos instincts. Donc, moi-même, je vais exprimer des inquiétudes pas du tout bâtir. Pas pour m'inquiéter le monde, mais au contraire pour me chercher, faire ça, nous devons faire une anticipation, pour ne pas donner une après-midi au problème après. C'est évident, l'organisme, vous groupez un tout des politiques. Pendant un regroupement qui pourrait décider d'élection, côté même si nous individuellement pas candidat, mais tout du politique n'a pas décidé. Mais mon Dieu, le réflexe primaire normal, tout ça, on a été avantage culturel, politique de ta campagne, par exemple. Il y a un pile de bagaille qui est dans l'organisation de bagaille qui a mis en place.
80% des cas, c'est les ressortis sur les réseaux de moi. Je me retrouve dans une situation où m'apporter des corrections, des fois publiques, malheureusement, pour des dossiers normalement de fait pour qu'on est avant. Parce que bagaille l'État, ou pas gérer dans la rue comme ça. Mais là, par exemple, maintenant, nous, on calendrier, par exemple, qui sorti, qui dit où c'est une date de token bras, et le changement de tête la police, etc. Waouh. Mais si on est dans une public, une bagaille l'autre alternative, je dis, mais comment on peut écrire des bagailles comme ça, dans le moment où nous sommes là. Mais pas très normal, même lors du contrôle, toute institution, ce n'est pas de changement, c'est des changements délicats. Le délicat du point de vue humain. Comment on comprend qu'on est capable de diriger une force aussi importante? Parce que la seule force fonctionnelle en matière de technique de l'un pays, c'est que pour le monde, à imaginer pour l'équilibre de déplacer mon temps. Mais l'information, ça vient de mon temps sur les réseaux sociaux. Moralement, si on se dit rien. Pas occupé de rien parce que bon, mon débatteur, il est quitté par le débatteur. Donc, c'est la vérité qu'il y a un certain niveau d'amateurisme, peut-être beaucoup de bonne volonté, et des décisions qui basent sur des théories minérales, et qui ne pas forcément prendre en compte la sensibilité culturelle et les justes et coutumes fonctionnement de mon en Haïti. C'est même genre après M. Bandi, qui m'a dit qu'il y a un homme dans le monde qui comprenne, quand on prend une décision, on a créé Bandi. Alors que moi-même, je vais demander mon conseil, ce n'est pas comme tu as dit, ce n'est pas pour ça que tu as abordé la question de ça. Ou par exemple, menacer au monde, leur parler de potentiel pour craser le fil bouger. Parce que leur menacer au monde, qui vient d'amener le monde, qui se commande le fait, c'est vous-même qui subirez pour venir attaquer. Et est-ce qu'on prévoit attaquer ça? D'ailleurs, est-ce que tu es prêt ou tu as attaqué? Ce n'est pas lui-même où tu as pu venir pour une attaque. Donc, un pile bagaille qui est avec peut-être bonne foi, mais un pile amateuriste, dans des dossiers qui sont vraiment sensibles, n'a pas joué pour être ça n'a rien, mais nous nous raillons, nous pas vrai qui te prend position. Et puis, pendant ce temps, la population, même les campés là, qui va continuer la cap tourner la caille, côté au château là, qui va continuer la cap reprendre des business, des activités, qui va continuer. Il va continuer la cabre pour une circulation normale. Et nous parlons d'une proposition à qui ça nous parle, ce n'est pas parole, non? À qui ça nous parle pour diminuer l'appréhension et pour commencer par le solide. Donc, pendant, on a retourné sur l'autre aspect et conseil, là, la Cour de cassation tout à l'heure, mais pendant, on parlait de questions et amenant, dernièrement, nous avons fait une petite discussion là, pour garder qui moyen pour empêcher les armes, munitions continuer à rentrer dans le pays, parce que nous disons, nous, même lorsque la police a arrêté bandit, et tu as saisi des armes, saisi des munitions, mais le fait que sous ce côté des armes et munitions, ça a continué à pomper nos armes et munitions, donc le problème n'a pas qu'à résoudre. Et nous avons même regardé la question de ce qui voyait les conteneurs vidéo qui gagnaient un peu des armes et munitions dans une série de colis que mettaient là-dedans pour s'accriver la capaïtien, ou même comme les qui qu'on insécurité, est-ce que qui meilleure façon selon vous un problème comme ça t'es capable d'aborder question pour empêcher cartouches, armes, munitions rentrer sous territoire noir à part frontière noire que nous devons protéger. Bon, ce sujet ça comme on l'a dit, par exemple pendant un pays il y a parlé de Oumara qui est extrêmement important. Qui manquait à PIA qui fait pour organiser le Conseil national de sécurité. Mais après tout, le monde m'a dit qui écrit sur Bagaïsa, où est-ce que le monde qui a écrit sur l'épicité au Conseil national de sécurité, premier bagaille, il est qui est un monde qui est dans la mer, qui connaît son saillot, etc. Alors que moi-même, qui est-ce cap un système névralgique sécurité pays là qui d'abord la structure administrative de Réna le ministre de l'économie et des finances
moi-même c'est du moins. Mm-hmm. Pour deux raisons. Premièrement, qui est-ce monde qui est responsable? De qui est-ce la douane dépend? Ministère de l'économie et des finances. Donc, c'est pas un général là, mais ou bien un colonel qui pourrait décider pour connaître tout le monde la douane. C'est d'abord un côté pour général ça ou bien colonel ça, capable de avec le ministre des finances hein, pour déterminer le profil du personnel qui peut être pour la douane. Entraînement qu'il fait pour le recevoir, nature relation qu'il fait pour le gagner, aux structures d'intervention et d'interception, tant au niveau de la police que de l'armée au niveau de nos frontières. Or, l'homme n'a pas l'ouest et prédiction d'amener d'abord, alors que l'organisation stratégique de sécurité de l'État, au niveau du Conseil national de sécurité, ce n'est pas le gendarme. Le gendarme est là aussi. Mais ce n'est pas le gendarme. Là, par exemple, il a parlé de Conseil national de sécurité. Mais du premier moi-même, ouais, c'est le ministre de l'Agriculture et le ministre du Commerce. Pour tout ça, sécurité en pays commencer par régler. Là, on répond à qui ça, citoyen, qui ça, citoyen, a besoin pour le manger. Dès que tout ça m'a produit, et même le produit, tout ça m'a produit. Donc, le Conseil national de stratégie, bien que vous avez dit, quand il y a des questions que le ministre de l'Agriculture a fait pour la répondre, avec tout le ministre du Commerce, donc le Conseil national de sécurité, c'est une entité. Tout à fait, vous regroupez trois agences au niveau des ministères qui forment une cellule du contrôle, une cellule de finance et économie, une cellule santé population, production, et puis une cellule sécurité, tactique, sécurité pure. Mais quand c'est mon d'accord de cellule par l'eau, qui a fait pour le président de la République ou bien pour la présidente, les entités constituent du Conseil national de sécurité. Le premier bagage, nous, c'est ça. Alors que moi, je n'ai pas le premier bagage, nous, c'est ça, nous, c'est le troisième niveau. Donc, il y a un premier bagage pour nous bien comprendre, parce que si nous concevons mal, il y a peut-être mal. Et peut-être, nous, nous concevons mal là, par contre, nous concevons mal de bonne foi, parce que nous, nous, nous connaissons. Donc, il y a plus de choses pour nous profiter de corriger là, pour nous aborder des problèmes. Nous venons par exemple pour dire, nous ne pouvons pas briser tout problème de sécurité en Haïti en partant à la charge de chaque grand bandit qui a tiré dans la rue. Comme comment c'est parti pour infrastructure qui a porté balle, côté armes par les bandits. Donc, tout le monde là, tout ce problème là. Eh bien, ma cour, les États-Unis, ma fatigué, ma démolition pour une solution. La police nationale veut dire que tout bagaille de la police, des bagailles qui passent aux responsabilités du tout. Mais assez souvent, moi qui a dit que vous faites ça, et vous faites de bonne foi tout simplement parce que vous ne connaissez pas. Et là où est un monde qui connaît, à poser dans un an, ah, mon tesson vient nucléaire. Par exemple, moi, je vous regarde un document qui a préparé là, au monde qui m'a dit. Il a été pour préparer des crises, pour préparer un cordon de sécurité à l'intérieur des crises pour installation. C'est bien. Conseil de liberté là, et qui prend le président à la Cour de cassation. Même si un cordon de sécurité n'existe pas, premièrement, ou par exemple, il y a un plan de sécurité spécifique et sectorielle pour parler de. Voix pour écrire, voix pour écrire dans une publique. Parce que l'on fait ça, on voit une information, on est capable de faire un contre le carré de l'on fait. Donc, il va même dire qu'il faut le faire, ou tout dit qu'on va le faire, et lui-même dit tout qu'on dit qu'il faut le faire pour le contraire. C'est mon qui écrit ça. Il va écrire de mauvaise foi. Et pour vous l'écrire là, vous n'avez pas de mauvaise foi tout. Tout simplement, vous ne connaissez pas. Mais la question m'a posé, comment les barons ça fait à écrit en Haïti, et puis pour notre situation, c'est dans la radio pour m'appliquer.
pour m'a dit non, c'est pas comme ça pour tel bagage t'a fait, mais qui j'en t'a fait pour t'a fait. Et puis c'est ça pour te dire, ça me dit, c'est vrai. Je connais très bien ça, je connais le bon dia, la toujours oui. Parce que le premier bagage que je connais, pas connaît, c'est qui ça me connaît et qui m'a connaît, ça me connaît. Mais assez souvent, nous interprétons le pouvoir public comme un bagage personnel, et c'est des bagages. Je vais me dire, c'est le groupe, quand plus de monde qui peut avoir un problème, il va le gagner, le niveau parti et politique d'eau, par rapport à mon gagner, qu'après que les fractures sont décisionnelles de l'État, en pile, c'est frappé pour le faire, et en pile, l'État pour le faire, par rapport à une question individuelle de monde ou de groupe capable de par rapport à la situation personnelle. Et comment éviter que tout le temps ça ait passé? Comment, qui moyen, qui formule pour aller plus vite? Parce que vous êtes relaté là, donc dans un pays qui est presque totalement fermé, les aéroports pas fonctionné, ports pas fonctionné, et l'équipe mon oblige à courir capital là, qui lui-même était en tout cas invivable. Comment aller vite et bien? Ou sorti dans sa nouille là. En faisant ce qui est écrit dans le métier. Par exemple, c'est quand vous t'a dit comment vous faites prise en stage pour vous qui blessé par balle. Mais même quand il y a son balle qu'on s'a posé, c'est médecin sans frontières qu'on aime vous m'aider. Parce que c'est eux même qui ont spécialité, qui ont expérience dans le cap géré le droit jour. Donc, un bilancier qui a pris un monde, du coup, on est les premiers expliqués pour le faire. Jusqu'à ce que je mette sa frontière avec lui. Bagayo, du point de vue technique, tu écris dans tout le monde, tout le monde connaît. Mais il y a des gens qui, par exemple, ont pris la médecine, chaque une bonne spécialité. Et là, il y a un bon docteur généraliste, un docteur spécialiste ou alors, en Haïti, à tout souvent, si nous avons une connaissance dans le domaine, maintenant, c'est souvent nous comptons un poste, nous comptons tout le bagaille. Or, ce qu'il faut savoir, par exemple, on pose une question. Deux niveaux stratégiques. Qui s'est prêt à faire? Qui s'est pensé pour prendre le contrôle des ports et des aéroports? Dans tout pays, le contrôle des ports et des aéroports sont spécialités dans le pays. Et si on ne résout le problème là, on prend un ou plus de problèmes subséquents, par exemple, au niveau de l'alimentation. Par exemple, je dis à nous qui presque un rupture de stock de médicaments dans le pays, qui n'ont pas déjà un rupture de stock, nous avons un rupture de stock alimentaire, pendant que nous avons une structure de production alimentaire qui a coûté des bagages qui a coûté, pas de question sur ça. Et c'est là, par exemple, dans mon cas, moi-même, j'étais une plus gros national qui en Haïti. Mais l'homme tableau qui est venant, je pense. Étrangers spécialisés, totalement indispensables pour deux bagailles, la prise de contrôle de la sécurité des ports et des aéroports et la prise de libération des actes routiers. Les libérations actes routiers, pas qu'à faire pour faire le matin et pour venir quitter. Une continuité obligatoire parce que n'est-ce à partir de rien qui vient d'apprendre le monde pour actes routiers. Quand tous deux, vous voulez, on va comprendre, on va pas être mal, on coupe, il y a vraiment du viré. Donc, pour garder la continuité, il faut pour des gens un privilège de la continuité des situations. Est-ce que c'est ce qu'il y a au PEM? Est-ce que c'est inventer PEM tout personnel nous donne? Car c'est un privilège personnel là-dedans. Plusieurs personnels sont capables d'intégrer par des groupes partiels. Pour dévier structure à partir de l'objectif de l'objet. Je ne pas répondre à une question, ça vous connaissez un grand pile en cette semaine, mais par avec plusieurs mondes qui sont responsables. Par exemple, bonne nouvelle, quand tu connais, tu es capable pour nous, tu tombes avec des déclarations du sénateur Rubio très dernièrement. Mais de toute une année, je m'avance sur ce sujet-là. Parce que je connais ça quand même. Cela veut dire que, est-ce que je vous dis, l'état-major la mienne, l'état-major la police là, des polices de matériel non létaux,
que ça va jouer rapidement, par exemple, si les États-Unis pour que nous voulions et tout. Mais mon cabine de là, c'est pas les mêmes cabines pour qu'ils bagaillent les vides par où. Pour d'abord, on est sans besoin. Deuxième question. Si on va où sans besoin, est-ce qu'il y a des gens qui entraînent, qui préparent pour utilisation? Mais tout pareil pour la question sur le rond de l'Ibaï, ils ont besoin pour être dans la même situation. Donc, nous même en tête ce sujet-là, au niveau des deux corps écoutés, ne pensez pas brillante, ne pensez pas rapidement. Maintenant, vous dites la chef demain matin, est-ce que vous avez une réponse à problème taille? Le bail de pour le bon brillant d'où le deuxième en Haïti. Il ne parle pas avec responsable, il ne dit pas ouais, mon yo, tellement au courant des problèmes de guerre, de la tout problème de guerre, que ne peut pas taper dans le monde qui va comprendre le problème de guerre. Donc, moi-même, je crois que nous avons un peu de problème, capitaine, nous. Mais nous avons très peu de monde en infrastructure conceptuelle qui là, ou bien qui est pour vivre, qui pensait à bagage à eux. N'abral fini, colonel, m'attendez une interview par rapport à un petit média côté Bailly. Côté Wapacité, on ensemble de, d'équipements, de matériel que l'armée d'Haïti était gagné. On parlait de avions de chasse, on parlait de missiles. C'est ça, on ne pas tromper. C'est le Bailly à l'histoire, c'est le Péré. Nous avons toute structure de base et fonctionnelle que nous avons fait pour dire, ni au niveau de la marine, ni au niveau de l'aviation, ni au niveau de l'armée de terre. Nous avons l'armée, ça veut dire une small army, mais qui s'est dimensionné, organisé, techniquement, dans n'importe quel groupe l'armée fait pour dire. Par exemple, au niveau du corps d'aviation, nous avons plus de 48 objets roulants, mélangés et. Avions de reconnaissance, avions de confrontation, avions de transport. Mais nous nous demandons qu'à un moment, par exemple, le transport où est capable de ville de capitale, la toute ville provinciale, et nous-mêmes dans l'armée qui devait transporter pour ne pas quitter matériel là pour ne pas voler. Par exemple, nous-mêmes qui devait, nous rappelons plusieurs fois voyager dans le pays avec des missions militaires, c'est m'abstenir à. Et nous faisons plusieurs voyages dans le nord-ouest, ou bien la Thibonite, il y a des problèmes qui viennent, et les mitons de Bracca, on a monté nos avions, nos hélicoptères là, mais on va faire mitons en matin, on retourne après-midi. Parce que le bail qui était là, on continue à fabriquer, nous on a fabriqué des situations pour maintenir nous capables de fonctionner, capables de voler. Nous avons même un avion qui était missile sur nous, d'autant que l'Haïti a acheté avion de chasse. La République dominicaine découvrit à vos plaintes pour nous devant l'OEA. Parce que avec 4 avions, avec une pile de gains, du coup, une supériorité numérique pour l'ensemble de l'aviation dominicaine qui devient l'État environ ou 60 d'objets roulants. Avec 4 nous avons une supériorité de frère. Donc, que les bails qui étaient là, tout le monde était là. Nous étions là, nous passions, nous détruisons, et puis nous ne savons pas qui ça nous détruit. Et puis aujourd'hui, après, si nous avons dit ça, nous devons que nous devons améliorer. Mm-hmm. Mais côté Yo, comment vous faites disparaître comme ça? Bon, et grand des gens là, ils vont dire, oui. Mais c'était pour l'État ici. Non, mais c'est équipement l'État haïtien. Oui, équipement l'État haïtien, mais c'est pour ça. C'est même que le Dubaï peut déclasser comme une machine, parce que machine dans la vie. Nous avons une machine pour 10 dollars. Et nous avons une machine pour 150 dollars américains. Non, t'as dit équipement ça, jusqu'à qui année comme ça là? Bon, et nous venons de. Il y a un pile l'armée américaine de l'écrasée. Il y a un pile de l'Europe. Il y a un pile de l'Europe. Ou même dit qu'il y a un archive de l'armée d'Haïti que l'armée américaine de l'Europe est allée également. Ça revient de
le journalisme d'enquête de la presse pour laquelle je connais dans tout secteur. Par exemple, une question, que je vais poser, sénateur, sénatrice, Bazem, qui est extrêmement important. Mais c'est des questions qui fait pour répondre par des journalistes d'enquête de tout domaine, qui ont cherché information, qui fait pour au courant tout le bagage, parce que c'est le monde qui a porté la parole du premier protecteur des médias. Donc, il y a une responsabilité pour le bouton parole juste. Par exemple, assez souvent, nous sommes obligés de tomber dans des généralités. Il y a un bon moment là qui sont faits. Mes questions sont faites pour te répondre à l'île. Depuis longtemps, oui, pour te connaître la typologie chaque monde. Qui t'a fait, qui ça va faire? Et bien, de l'écoute de l'État, si tu as fonctionné bien, pour dire que bon système de renseignement, et bien, t'es assez souvent. On joue au gouvernement quand vous jouez une pétition. Il va dire, vous n'êtes pas préparé pour le dossier, écoutez-le. Ou est-ce que vous êtes préoccupé à résoudre des problèmes qui ne sont pas un problème tôt. Et nous voyons l'esprit qui est allé de tout bas, qui sont toujours dit, c'est CP, CP, CP. Mais, pour ne pas en bas, préparer à tout ce que vous faites pour CP à Paris, il y a très peu de monde qui fait ça. On sait que les gens qui ont une culture de renseignement, les conditions de radio carré, de reportage qui ont fait, tous les problèmes sociaux. Parce que le premier bagage qui dirige tout le pays, c'est la sociologie. On est tous les gens qui pensent, tous les gens qui agissent, et réagissent face à des phénomènes. C'est le même bagage pour la psychologie. Je dis à mon gars, le premier bagage pour les gens, c'est ton battre de sociologues avec psychologues pour les gens. C'est pas d'abord on passe dans le monde qui continue, non? Parce que le monde qui continue, c'est pas ici, mal à l'alter. Mais tout pas comprendre le problème, on ne peut pas briser. Il y a un monde qui a fait un peu de discipline de bail, non? On ne peut pas prendre le pays de manière plus dure, vers des résultats que le monde a besoin maintenant.